Donc, je vais vous présenter de fait hein, donc l'aménagement des de 20 blocos sur le territoire du parc. Donc, dans le cadre d'un projet bien particulier, c'est le programme mutualisé en faveur de la nature en Avesnois. Ce programme, il s'inscrit dans une continuité. Il hein, faut se dire qu'en Avesnois, les aménagements de blocos ont commencé il y a à peu près une vingtaine d'années, hein, dans les années 98-2000, à l'initiative du parc et de la coordination mammalogique du nord de la France. Et l'aménagement de ces 20 blocos vient un petit peu dans le prolongement de ces premiers aménagements. Donc une petite présentation du parc hein, pour ceux qui ne le connaissent pas trop. Donc le parc de l'Avesnois, il a été créé en 1998. On s'étale sur 138 communes et 124 000 hectares. Hein. On a 157 000 habitants, c'est pour donner un petit peu la carte d'identité. Donc on a vraiment des paysages qui sont plutôt caractérisés par le bocage et les forêts, hein. Donc avec une couverture forestière assez conséquente pour l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, donc avec un taux de couverture qui est à peu près dans la moyenne nationale entre 27 et 30 %. Et quelques espèces emblématiques, hein, avec notamment la présence de la cigogne noire en tant que nicheuse, du simple plongeur, pour les plantes de l'œillet des chartreux, et pour les libules, par exemple, pour la cordouille à deux taches. Donc, avant de présenter l'aménagement des blocos, qu'est-ce que le programme mutualisé en faveur de la nature en Avesnois, donc plus simplement Proména. Donc ce programme avait pour objectif de restaurer des milieux naturels en faveur d'espèces patrimoniales, mais aussi ordinaires, d'associer les habitants et les collectivités à la préservation du patrimoine naturel. Et les enjeux, ben, c'était vraiment l'amélioration de l'état de conservation, la prise en compte d'espèces ordinaires avant que celles-ci ne soient considérées comme menacées, l'amélioration, voire la restauration des continuités écologiques et notamment des zones humides, et une appropriation donc par le grand public, hein, notamment les habitants, par rapport aux enjeux de conservation donc de la biodiversité. Donc les objectifs techniques hein, qui étaient prévus dans ce programme, au-delà des 20 blocos à aménager, c'était également de la restauration de mares et de la création de mares, la plantation d'arbres hein, avec 19 500 arbres qui ont été implantés, la restauration d'un ruisseau hein, aussi bien sur sa qualité physique qu'écologique, également d'une zone humide, une conversion de peupleraie en zone humide, la renaturation d'un plan d'eau et la restauration de 19 hectares de milieux naturels, avec notamment dans ces 19 hectares la réfection d'une réserve naturelle régionale. Donc, en bas, on a quelques photos qui illustrent un petit peu les choses qui ont été réalisées dans le cadre du programme. On voit à gauche l'aménagement d'un blocos, après on voit la création d'une mare, des plantations et puis la mise en place de passerelles pour éviter le piétinement dans les cours d'eau et les matières en suspension. Alors là, je vais arriver dans le vif du sujet et l'aménagement des 20 blocos. Donc ces aménagements sont faits donc avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité au point de vue donc aménagement, financement des aménagements. Et au niveau ingénierie, on a eu aussi une aide de l'Agence de l'eau, Artois Picardie, et de la communauté d'agglomération Val-de-Sang. Donc l'objectif, nous, c'est de continuer à renforcer notre trame écologique en faveur des chiroptères sur le territoire, et notamment hein, pour des espèces qu'on retrouve assez fréquemment chez nous, donc notamment le murin de Bechstein, le murin de Nattéraire. Donc voilà, donc ces deux espèces étaient visées, mais bien entendu, on a tout le cortège habituel avec les murins à moustache et autres. Donc le programme s'est étalé sur une période de 2 ans. Il a été lancé donc en juin 2019. Et s'est achevé cette année en juin également. Donc l'entreprise qui a été retenue dans le cadre du marché, donc c'est la coordination mammalogique du nord de la France. Et le montant global de l'opération s'élevait à un peu moins de 60 000 euros, hein, donc à peu près 59 000 euros. Donc voilà pour le programme un petit peu dans ses grandes lignes. Donc à droite, on voit un murin de Bechstein, hein, donc suspendu à une brique creuse disposée dans un de ses blocos, et en bas, un de ces blocos typiques qu'on peut retrouver sur le territoire. Donc, il s'agit de la ligne d'Alagi, on l'appelle souvent ligne Maginot. Donc, on a un ensemble de blocos hein, donc, qui est présent sur notre territoire. On va dire qu'il va partir sur la partie nord, d'ouest en est, et après du nord au sud. Donc, pour réaliser les travaux, on s'est basé sur une sélection qui a été réalisée à partir d'un inventaire portant sur un ensemble de 90 blocos réalisés en 2014-2015. Donc, par les techniciens du parc. L'objectif à l'époque, hein, on avait fait un courrier à tous les propriétaires que l'on avait pu recenser sur notre territoire pour voir un petit peu les blocos qu'on pourrait inventorier,
pour les sélectionner et pour les trouver géographiquement, on avait utilisé l'outil bien pratique qu'on retrouve sur Internet, comment dire, qui reprend toutes les fortifications, le site Maginot. Et donc, ça nous a bien aidé parce qu'on a eu juste un pont de l'échelle et pouvoir aller rechercher un petit peu l'ensemble de ces blocos. Il y a un petit peu l'ensemble des blocos que nous avons pu inventorier à l'époque, en 2014-2015, dans le cadre de l'étude. Donc, on voit par le piqué de points un petit peu la répartition des blocos, avec bien sûr une coupure au nord, parce que sur le territoire, donc on a des communes non adhérentes sur le sud, donc ce qui explique la coupure, mais en réalité, on a une continuité. Et sur la partie forestière au sud de la carte, on voit aussi qu'il y a un manque d'inventaire, mais il s'explique par des sites qui avaient déjà été aménagés, sur lesquels on avait de la connaissance. Suite à ce travail, donc on a fait une sélection des sites les plus intéressants à aménager. Donc, en vert, c'est ceux où il n'y avait pas de doute, il fallait y aller parce qu'on avait des conditions, on va dire, de milieu autour des sites qui étaient intéressantes. Les sites n'étaient pas trop durs non plus à restaurer, il n'y avait pas non plus trop de dégâts. Donc, on n'avait pas trop non plus d'investissement à faire pour pouvoir les aménager. On avait de la présence d'individus, de guano ou autre. Donc, on savait qu'il y avait un potentiel et il y en avait sous réserve. Alors, soit sous réserve parce qu'on n'avait pas la disponibilité foncière, ou après, peut-être aussi par rapport au milieu qu'on pouvait avoir en périphérie, qui est peut-être pas l'optimum, mais voilà, on se posait la question s'il fallait pas y aller quand même. Donc, afin de contractualiser, donc suite à cette sélection, on a recontacté les propriétaires et on leur a proposé une convention en leur présentant les engagements qui seraient liés donc à ces travaux. Donc le but, nous, c'est de maintenir l'aménagement pendant la durée de la charte du parc. Juridiquement, on ne peut pas aller au-delà de notre durée de charte. Donc on est parti sur des durées de 6 à 10 ans. Donc voilà. Et suite à ça, une fois que la convention a été signée, donc on a engagé la phase travaux à proprement parler. Donc l'aménagement, on va dire principal, ça consiste en la mise à défendre du site vis-à-vis des intrusions humaines. Mais je vous ai mis quelques photos. Il y a aussi un gros nettoyage préalable. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui prend pas mal de temps parce que on s'en rend pas compte, mais ça sert souvent les blocos de dépotoir chez nous. Du coup, il y a vraiment un gros nettoyage à faire. Après, le but, c'est de mettre en défense pour éviter les intrusions humaines. On a pas mal de gens qui viennent voir un petit peu ce qui s'y passe. On a vraiment les collectionneurs aussi, vraiment les accros de la Deuxième Guerre mondiale. On a aussi les jeunes qui peuvent aller traîner un peu à l'intérieur. Donc, le but, c'est de mettre en défense, éviter le dérangement des chauves-souris en période d'hibernation. Et les autres opérations, ça consiste principalement à compenser le manque d'infractuosité par la disposition de micro-gîtes afin de faciliter l'hibernation. Nos blocos, on a vraiment des parois qui sont généralement assez lisses, on a un béton quand même qui est de qualité. Donc il faut venir compenser cet état de fait. Donc là, on voit un petit peu les travaux qui ont pu être réalisés par la coordination mammalogique du nord de la France. Donc en haut à gauche, on voit la photo d'un site en cours de nettoyage. À droite, donc là, on voit donc l'élaboration d'une porte, d'une porte d'entrée avec comme habituellement le passage chiroptère sur la partie haute et le passage humain pour les suivis sur la partie basse. Et également sur la partie gauche en bas, on voit aussi qu'on peut parfois avoir à mettre des barreaux sur des petites ouvertures. Même si des fois elles nous semblent assez petites, elles sont parfois utilisées. On a déjà eu le tour sur plusieurs blocos, donc on préfère les condamner. Donc là, on voit également une porte avant-après, aménagement. Là, on voit plus spécifiquement donc les micro-gîtes qui ont été mis en place par la coordination mammalogique du Nord de la France, avec la traditionnelle brique creuse sur la diapositive, en bas à gauche. Sur la partie haute, on voit également les nouveaux dispositifs qui ont été créés par la CMNF, notamment cette reconstitution à l'identique d'un moule de gîte où on pouvait avoir des chauves-souris, là, sur l'élément où on retrouve les deux illustrations de chauves-souris. Et en bas à droite, les tôles translucides ou le système que Vincent a testé et, si je me trompe pas, qui nous arrive, nous a mis hollandais. Donc voilà, c'est des nouvelles techniques qui, j'espère, nous permettront d'avoir des augmentations d'effectifs dans nos sites.
Alors là, on voit la répartition des sites. Hein. Elle suit quasiment l'ensemble de ce qui avait été inventorié. Hein. Ce que je n'ai pas évoqué, qui était indiqué dans la diapositive tout à l'heure, on a aussi fait un complément d'inventaire sur l'année 2021 parce qu'on manquait de sites à contractualiser. Parce que malgré les 90 sites que nous avions prospectés, on n'a pas eu tellement d'accords pour pouvoir aménager les sites. Les gens sont toujours un peu réticents, ils ont toujours des craintes par rapport à la vente de la parcelle, se demander si ça peut pas leur poser des problèmes lors de la vente, les chauves-souris aussi par rapport au Covid. Hein. Cette année, c'était un peu la mode. On a eu beaucoup d'interrogations là-dessus. Donc, on a dû refaire une campagne supplémentaire pour aller repêcher des blockos qu'on n'avait pas prospectés en 2015 et sur lesquels on a pu plus facilement contractualiser avec les propriétaires. Alors après, on ne va pas partir sur une action qu'on ne va pas suivre dans le temps. L'opération, elle va être évaluée annuellement dans le cadre des suivis qui sont réalisés en partenariat entre le parc et la coordination œnologique du nord de la France. C'est vrai que ça se fait depuis 2000. Depuis 2000, il y a un week-end spécifique, enfin une partie de semaine et un week-end spécifique qui sont organisés par la CMNF, hein, donc sur le territoire, avec l'inventaire de l'ensemble des sites, à peu près les 80 sites qui ont été aménagés par le parc. Donc le but, c'est toujours voir un petit peu, ben, bien entendu, les espèces présentes, comptabiliser les effectifs, hein, visibles. Mais le but aussi, c'est de voir, ben, si on a des dégradations ou autre, pour pouvoir intervenir au plus vite pour les compenser. Enfin, on voit un petit peu, j'ai mis une photo sur le bas à droite d'un site qui a été endommagé. C'est vrai qu'avec les outils portatifs sur batterie, on a de plus en plus d'intrusions humaines dans les sites et pas mal de dégradations, malgré des aménagements quand même assez costauds avec des parpaings-pleins, la pose de barres de fer pour éviter les intrusions. Mais c'est vrai qu'on a quand même on a pas mal de contraintes par rapport à ça. Et c'est vrai que ces inventaires, ça permet de bien voir l'évolution avant-après, parce que généralement, les sites, on les inventorie toujours avant aménagement. Et là, je ne vous l'ai pas mis dans la PowerPoint, mais c'est vrai qu'on a souvent une évolution assez notoire des effectifs. Et on voit que c'est un programme qui fonctionne bien. Et c'est toujours, comme je le disais tout à l'heure, l'avantage d'avoir cette répartition assez homogène. Donc, des blocages sur le territoire qui nous permet d'avoir une trame donc sur l'ensemble de la périphérie du parc naturel de l'Avesnois. Voilà, j'en ai terminé avec mon intervention et si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Ma question, donc vous avez aménagé 20 sites. Je suppose pour savoir que dans ce coin-là, le CMNF est assez compétent techniquement parlant, que ça s'est fait un peu en régie via des compétences directes et pas via des entreprises extérieures ou peut-être très à la marge. Une idée du coût vraiment de l'aménagement en tant que tel par blocos, parce que c'est 20 blocos. Enfin, moi, si on avait 20 grilles à poser, sachant que moi je bricole pas du tout. Le coût serait gigantesque. Là, j'imagine que c'est comme ça, voilà, que vous gagnez un petit peu. Alors, Vincent peut répondre également, mais sur donc la coordination œnologique a réalisé 19 des aménagements. Il y a une prestation sur un 20e aménagement un peu spécifique où on avait un bâtiment classé et il fallait avoir une technicité différente et puis aussi avoir des dispositions par rapport à la sécurité des personnes. Mais l'ensemble des sites ont été faits donc par la CMNF. Il faut bien savoir aussi que c'était un marché public à bon de commande avec une remise de prix unitaire pour chaque site. Donc chaque site a un prix variable. Parce qu'on a des blocos de grande taille. Donc on en a qui vont faire avoir 2 étages avec une surface au sol assez grande. Et on en a des tout petits donc qui font une quinzaine de mètres carrés. Et pour les plus grands, je pense qu'on est facilement à 200, 250 mètres carrés. Donc on n'a pas du tout les mêmes types de blocos. Alors sortir une moyenne, c'est un peu compliqué. Pour résumer, on a un budget global à peu près de 60 000 euros pour les 20 sites, quoi. On a également une question de Sophie Leclerc. Salut Fabien. Bonjour Sophie, ça va? Ouais, contente de voir les blocos. Sur les, du coup, les dégradations qui ont déjà été constatées, quels sont les financements que vous avez pour pouvoir maintenant restaurer les aménagements? Alors, je ne vais pas te mentir, si on n'avait pas l'aide de la CMNF pour restaurer ces sites, Ouais. qu'ils font gracieusement quasiment à chaque fois, c'est déjà arrivé qu'on finance, mais c'est toujours compliqué d'aller chercher des petits financements. Pour nous, c'est plus facile d'aller chercher des grosses sommes que des petites. On ne va pas
parce qu'elle se voilait la face. Hein. Et c'est vrai que le jour où on n'aura pas plus cette aide de la CMNF, ça va s'avérer beaucoup plus compliqué. Surtout que nous, on n'a pas vraiment de personnes qui peuvent travailler en régie et qui peuvent intervenir dans ces cas précis. Oui. Il faudra que Vincent dise. Compliqué. C'est récurrent, hein, on l'a déjà évoqué avec Vincent, l'entretien des sites, avoir des enveloppes pour justement assurer une pérennité de site quand l'aménagement qu'on a fait, soit on a des reprises à faire ou soit c'est des dégradations. Mais c'est vrai, mais le problème, c'est la pérennité des enveloppes. Hein. On est sur des financements qui sont de plus en plus courts. Là, c'est vrai qu'on a couru un peu contre la montre. Hein. Mmh. On avait à peu près 2 ans pour faire les travaux. 20 blocos, ça fait quand même pas mal de boulot. Et très franchement, c'est toujours compliqué d'avoir des financements au-delà de l'opération propre. Ouais. Quoi. Merci. Si je peux compléter un tout petit peu, pour répondre à Benjamin. Un blocos, c'est entre 3 et 5 000 euros, l'aménagement d'un blocos. Donc là, c'est vrai qu'on était un petit peu en dessous du prix habituel, mais comme il y avait une enveloppe globale de 20 blocos, et puis que l'opération était vraiment super intéressante, on pouvait y aller, mais c'était financièrement 3 000 euros, c'est un petit peu juste pour certains blocos, surtout quand il y a beaucoup de nettoyage. Parfois, il faut prendre aussi les conditions d'accès au site. On a quand même des matériaux assez lourds à emmener, on a quand même un gros groupe électrogène, des postes à souder, enfin des trucs. Donc parfois, l'accès n'est pas toujours un peu plus compliqué, donc ça alourdit aussi le montant. Et c'est vrai qu'on a, on a ce problème de vandalisme parce que, bon, je pense que vous le rencontrez partout en France, hein, il y a le développement de toute cette communauté urbex aussi, où il y a le plaisir d'aller, pour certains, d'aller prospecter des lieux un peu insolites, se prendre en photo là-dedans. Et dès qu'on ferme des sites, parfois, ils ont l'impression que ça a été fermé parce qu'il y a des trucs intéressants à l'intérieur ou il y a l'envie de détruire l'aménagement. Et surtout, il y a une évolution assez importante avec l'électroportatif sur batterie léger. Et donc maintenant, c'est assez facile avec une petite meuleuse sur batterie d'aller couper des grilles ou autre. Et donc, il faut tout le temps réfléchir pour renforcer nos aménagements. Sur ce genre d'opération, on a pas mal réfléchi aussi à faire des aménagements encore plus costauds. Avec l'expérience qu'on a, on a quand même plus de 250 sites aménagés en région. On commence à voir aussi les points de faiblesse de nos sites. Les plus anciens ont quand même 20 ans, donc on voit aussi dans le temps ce qui pose problème. Et juste pour terminer, l'intérêt de cette opération aussi là, c'est qu'on a essayé de développer de nouveaux micro-gîtes. On a vu celui effectivement en tôle ondulée là, que j'avais vu par des collègues allemands et dans l'Allemagne qui avait fait ça, et c'était super intéressant, c'est assez sympa en plus, mais avec des différents types. On a vu mon collègue Loïc là, il a construit une trentaine de gîtes alvéolés dans des bétons cellulaires. On essaie de faire des gîtes plus spécifiques pour le Murrenbeestein par exemple, des gîtes qui vont plaire aux oreillards, des gîtes qui vont servir aussi en période estivale. On s'est rendu compte que quand on prospectait les blocos au mois de juillet, entre juillet et septembre, on trouvait aussi pas mal d'oreillards parfois dans ces sites, notamment sur du transit, peut-être de la repro à voir. Mais, et donc, on peut aussi installer des gîtes en bois qui correspondraient plus à ces périodes de l'année. Je voudrais rebondir également par rapport à... On parlait des coûts tout à l'heure des blocos, des coûts moyens. Et c'est vrai que nous, on a retenu la CMNF dans le cadre d'un marché public, mais il faut bien se dire aussi, c'est qu'on a un gros souci, c'est en termes de réponse par rapport à ces prestations qui sont très techniques. Et sur ce marché, on a eu de la chance que la CMNF réponde, parce qu'on aurait pu le révéler infructueux, parce qu'on a vraiment trop peu de réponses. Et c'est vrai que si on avait des projets de plus large ampleur où une association ne pourrait pas suivre, on aurait du mal à mettre en œuvre les travaux, faute d'entreprise pour le faire. Alors, on a une question du coup sur le chat de Mickaël qui nous demande est-ce que des panneaux indiquant que le site a été vidé et aménagé pour les chiroptères ont été mis en place sur ces blocos? Alors oui, là, il y a des panneaux qui sont mis en place, parce que c'est une obligation par rapport aux financeurs. Donc à chaque fois, il y a un panneau qui va être mis, un petit panneau qui explique pourquoi on a aménagé le site, pour éviter aussi les dégradations. Et puis, comme habituellement, on a la publicité qui est obligatoire avec les petits logos en bas des financeurs. Après, il ne faut pas se leurrer, c'est que ces panneaux-là, ils n'ont pas une durée de vie non plus très longue. Généralement, au bout d'un an ou deux, ils sont déjà vandalisés. Il a dit que le tuyau
Ouais, je pense que du coup, on a fini avec les questions. En tout cas, merci beaucoup, du coup, Fabien Charlet, pour cette présentation. Merci à vous et puis une bonne fin de journée. Merci. Alors, il y a... Ah, attendez, il y a peut-être une autre question, en fait. C'était juste pour comprendre la toile transparente. Alors ça, je ne connaissais pas du tout. Je veux bien, si Vincent ou un autre peut nous dire ce que c'est et comment ça marche. Et c'est quoi, c'est l'écartement derrière, je suppose, entre le mur et la tôle. Et l'intérêt, c'est de voir s'il y a des bêtes sur les embêter, c'est ça? Vincent, tu réponds? Oui. Alors, ouais. Alors c'est... J'étais surpris aussi, comme toi, quand j'ai vu ce truc en Allemagne. Ils ont mis cette... Donc, c'est la tôle ondulée plastique qui est soit plaquée directement sur le mur en béton. Et en fin de compte, les bêtes, elles aiment bien être parfois dans des trucs un petit peu comme ça, confinés. Et ce qui est assez rigolo, alors nous, on l'a essayé. Alors, ce qu'a pas. Ce qui est vrai que Fabien a en parlé un peu, mais on commence à avoir quand même déjà des bons résultats sur les aménagements qui ont été faits. Il y a déjà pas mal d'occupations. Et on a déjà des tôles ondulées comme ça qui ont été occupées. C'est surtout les moustaches qui aiment bien ce genre de truc. Mais ce qui est assez marrant, et ça m'a un peu surpris aussi en Allemagne, parfois, tu as plusieurs bêtes qui se mettent dans le même alvéole. On a essayé ça, je trouvais ça assez amusant et puis, de voir comment les bêtes allaient réagir là-dedans. Après, c'est à voir si elles ne se dérangent pas quand l'une qui est tout en haut veut descendre et réveille celles qui sont en dessous d'elles. Mais bon, les collègues allemands étaient plutôt satisfaits, genre de truc. Et c'est, sur un de leurs blocos, un très grand blocos au nord de l'Allemagne, ils avaient des très bons résultats avec ça. Donc on a dit, bon, ça ne coûte pas très cher, on l'a testé. On l'a parfois adapté un peu en mettant aussi la plaque directement sur une... C'est Loïc qui a eu l'idée là, de mettre la plaque directement sur une... La tondulée sur une plaque en bois. Et on peut même jouer sur un autre interstice en dessous de cette plaque en bois. Donc, nous, on a bien essayé différents types d'aménagements. Et quand tu visites ça avec des partenaires, c'est marrant de leur montrer les bêtes derrière le truc en plexiglas, quoi.